Par le baptême, nous sommes devenus membres du corps du Christ. Avec lui, nous avons part à l'héritage promis, la gloire éternelle. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles, invisibles, puissances, principautés, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.